Les amis, l'heure est grave. Ah ben non, pas du tout en fait. Parce que j'ai acheté une superbe chaise gaming. Donc j'ai acheté une superbe chaise. Les informations seront à la fin de la vidéo. J'ai fait un petit timelapse de quand je l'ai monté. C'est parti. Putain de merde! Enculé! Reviens ici! Tu vas te mettre dans le bon trou! Comme ça! I got this feeling inside my bone, like an electric shot when you turn it on. I got it burning into my soul. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Putain, oh, on joue à Twister ou on monte une chaise? Merde! Who can say when a rose... Ah, merde! Who can
is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from, that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. Yeah. And to all my peoples in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby, baby. Check it. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and Heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, Rap Attack, Mr. Magic, Molly Mall. I let my tape rock till my tape do. Da-ha. You never thought that hip-hop would take it this far. Now I'm in the limelight cause I rhyme. I'm blowing up like you thought I would. Call a crib, same number, same hood. It's all good. And if you don't know, now you know, you know. Oh, it was all a dream. I used to read the Word Up magazine. Salt and pepper and AVG up in the limousine. Any pictures on my wall. Every Saturday, Rap Attack, Mr. Magic, Molly Mall. I lay my tape rock till my tape pop. The hat to match. Remember rapping Duke? The ha. You never thought a hip hop would take me this far. You know very well. Hey, j'ai fini. Ah merde, attends. Oh. J'ai fini. Attends. Donc, voilà. J'ai fini, j'ai un peu galéré. Bon, il me manque une vis. Hein. Ça se trouve, je vais m'effondrer en pleine partie. Comme une youtubeuse beauté, là. Clem, c'est quoi la youtubeuse beauté qui s'est effondrée comme une merde, là? Ouais, Amy, là, truc pro. Donc, j'espère que ça n'arrivera pas. Parce que ça, c'est du bon matos, mon pote. T'es massa. Waouh, elle est jolie, hein. Eh bien, voilà. J'espère que ce petit timelapse vous aura plu. Alors, alors ce qui concerne les références, c'est un Duhomme 0. C'est la série 0405. Ils font tout genre de comment ça s'appelle, de fauteuils, que ce soit pour la cuisine ou tout ça. C'est un Duhomme, D-U-H-O-M-E. Il m'a coûté 75€, sans frais de livraison, tout ça, j'ai pas eu de frais de livraison. C'est du cuir synthétique, c'est pas du vrai cuir, mais franchement, la sensation est la même, franchement, ça vaut le coup. Il y a un mécanisme d'inclinaison, elle tourne à 360 degrés. On peut régler la hauteur, on peut s'incliner. Donc franchement, il y a ce qui est bien. Ce qui est bien, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas un petit coussin sur les lombaires, mais ça, faut payer un peu plus cher niveau qualité, je pense, pour l'avoir. Mais sinon, franchement, c'est une bonne qualité. Alors niveau couleurs, on a toutes les couleurs. Hein. On en a jusqu'à 13. Il y a noir, gris. Attendez, je retrouve les couleurs. Voilà, noir, gris, vert, orange, bleu turquoise. C'est pas les couleurs qui manquent, ben rouge, mais bon, voilà, vous le savez du coup. Les accoudoirs sont confortables, on est vraiment bien dessus. Moi j'avais l'habitude d'une petite chaise toute pourrie juste avant ça. Enfin, toute pourrie. Non, vous l'aurez vu dans ma vidéo où je présente mon setup. C'est pas une chaise toute pourrie, mais c'est pas une chaise faite pour le gaming, pour rester des heures devant. Donc du coup voilà en quoi voilà comment est ma chaise. Donc je vous la conseille si vous n'avez pas envie de mettre 100-200€ dans une chaise comme je l'ai fait moi. De toute façon, moi je suis le roi de du marchandage, je vois. Et donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à mettre un commentaire si ça, c'est ce que j'aime le plus, moi, les commentaires, et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Varok, je vous dis bon game et ciao tout le monde.